Oh mais quelle jolie petite Marie, je vois dans mon miroir. C'est vrai que mon plan s'est déroulé au-delà de mes espoirs. La petite sirène est dans mes mains et l'océan m'appartient. La sorcière des mers. Oh non, il faut que je... Si ça continue, la marée partira au carnaval sans nous. Mais Sébastien, j'ai rien à faire. Inquiète-toi. Ah, les crustacés ne comprennent jamais rien. Moi, ce que je comprends, c'est qu'on m'a nommé activateur de sirène, alors vous activez. Tu nous casses les nageoires, Sébastien. Fiche-nous la paix. Est-ce que quelqu'un a vu mon nouveau peigne? Non. Non, pas du tout. Tu es très bien coiffé, Alista. Allez, en route. Je ne partirai pas sans mon peigne, Sébastien. Allez les filles, en route! Ariel, approche-moi en ton nom. Colosso, conduis là au bateau à fond les nageoires. À quoi présente à la nappe? Oui, chef. Tout ce que je demande, elle me dit que tu es là, s'il te plaît. Fais-moi ce que je fais, moi. Tu trouves un moyen pour retarder ce mariage? Quel geste! J'ai cru qu'elle n'arriverait jamais. Aïe! Mais pourquoi tu me le prends? Parce que c'est mon peigne, figure-toi. C'est faux, je viens de le trouver. Mais parce que je venais de perdre. Allons. Voyance. Mais alors, n'importe quel filou sans scrupule pourrait s'introduire dans la place et voler le trésor royal. Tu es bien d'accord? Baisse-toi. Mais pourquoi tu sois ton père? On ne perdra plus de ce que tu tiens. Qu'est-ce que tu... Mais pourquoi as-tu besoin de mon peigne? Pour me perdre demain dans une de tes escapades idiotes? Qu'est-ce que tu dis? Mes escapades ne sont pas idiotes. Si elles sont idiotes, moi je te dis que ce peigne est à moi. Votre majesté, on est prêt à partir pour le carnaval des marais. Bonjour père. Ariel a pris mon... Non, c'est faux. Menteuse. C'est faux. Menteuse. Cachez-vous. Mais pourquoi as-tu besoin de mon peigne? Salut à toi, au grand roi. Pour me perdre demain dans une de tes escapades, idiote. Comment te portes-tu? Mes escapades ne sont pas idiotes. Jamais. C'est à moi qu'elle appartient. Elle a signé un pacte. Oh père, je suis désolée. Je ne savais pas. Tu vois, ce contrat est légal, irrévocable et incontournable, même pour toi. Mais on peut négocier. Je suis large d'esprit, ouverte à toute proposition. La fille adorée du grand roi Triton est une marchandise très rare. Et je pourrais me résoudre à faire un échange avec une personne plus précieuse.